imagen de hace unos minutos, José Álvarez pregunta a Mbappé por el Real Madrid. Y ojo porque el aficionado que está al lado, el aficionado del PSG, le contesta. Kylian, ¿vas a seguir en el PSG? ¡Reste a París! Kylian, ¿vas a ir al Real Madrid esta temporada? ¡Kylian, reste a París! Kylian, ¿quieres ir al Real Madrid? ¡Kylian, quieres ir al Real Madrid la próxima temporada? ¡Vas a moverte! ¡Reste a París, Kylian! ¡Qué bueno! El aficionado lo tiene claro, defiende lo suyo, claro. Tic-tac, tic-tac. Ça y est, officiellement, on rentre dans la dernière semaine du mois d'août. C'est la semaine préférée pour Pérez et son board. Ils ont l'habitude d'attaquer leur proie à cette saison de l'année. La dernière en date, ça avait posé problème, c'était Gareth Bale et Daniel Levy en 2014. Et finalement, le Gallois avait quand même signé au Real, alors que Levy, le président, avait été ferme et avait dit « Non, Gareth Bale restera quoi qu'il arrive du côté de Londres ». La même histoire se répète cette année. Mbappé, ça y est, a enfin l'espoir de signer au Real, puisque oui, je peux vous le dire, et ça a été confirmé par RMC Sport, le PSG a ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé et aurait déjà trouvé son successeur. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va vraiment parler d'Mbappé, des dernières infos, et en toute fin de vidéo, pour ceux qui sont les aficionados du Real, on parlera de la prolongation qui est très importante de Valverde jusqu'en 2027. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball. Si vous voulez tout savoir du mercato, de l'actualité réelle, bref, des dernières infos foot, tout simplement, vous avez juste à télécharger l'application. C'est totalement gratuit et en plus de ça, ça permet de soutenir la chaîne. Alors, je vais vous lire les quelques lignes qui sont très importantes. Selon RMC Sport, le Real Madrid ne s'est toujours pas manifesté auprès du PSG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'offre officielle. C'est normal, c'est encore trop tôt, le Real va attaquer aux alentours du 27-28 août, vous verrez, pour ouvrir les négociations, mais les dirigeants merengués veulent faire une offre. Bon, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Une fois que ça sera le cas, la réflexion autour d'un départ d'Mbappé s'ouvrira. Et la probabilité qu'il rejoigne le Real Madrid sera alors très grande, d'après RMC. De son côté, le PSG travaille sur un potentiel remplaçant, Richarlison, donc l'attaquant qui vient de gagner les JO avec le Brésil et qui donc joue à Everton. C'est la piste évoquée par RMC, c'est une source très fiable. Le journaliste en question, c'est Loïc Tanzi. Ce dernier était pourtant très ferme, je m'en souviens très bien de ses mots début juillet. Mbappé ne quittera pas le PSG est ferme et le PSG va proposer une prolongation de contrat à Mbappé. Et justement, en parlant de la prolongation de contrat, le PSG a fait sa dernière offre à Mbappé de manière officielle. C'est une offre de 5 ans de contrat plus une en option avec le troisième salaire du club derrière Messi et Neymar. Mbappé a catégoriquement refusé cette offre. C'est pour ça que maintenant le PSG a peut-être enfin accepté l'idée de lâcher la star française. Alors peut-être qu'avant ils avaient de l'espoir parce qu'Mbappé laissait entrevoir ça parce qu'il disait qu'il voulait des meilleurs recrues, etc. Donc il n'avait pas peut-être été catégorique justement sur son envie de départ du côté du Real. Peut-être que le PSG était également dans le déni ou dans l'assurance de pouvoir le conserver. Toujours est-il qu'aujourd'hui, leur état d'esprit a changé et quand tu ouvres la porte comme ça à un transfert, généralement, c'est qui va se conclure. Donc, j'ai toujours été confiant concernant Mbappé. De toute façon, ça se voit que ce gars-là rêve du Real. Toutes les photos qu'on a pu voir sur le net, il idolâtre Cristiano Ronaldo, bref, tout ça. Donc, que ça soit cette année ou l'année prochaine, il signera au Real. Mais le Real, surtout, et ça c'est très important, écoutez-moi bien, veut tout faire pour signer Mbappé cet été pour plusieurs raisons. Déjà, ils ont vu tous les sacrifices qu'a fait Mbappé de gérer la pression du PSG, gérer toutes les polémiques, justement, pour être en position de force pour signer du côté du Real. Le Real ne veut donc pas laisser Mbappé dans la galère, encore une année de plus, et veut s'assurer sa présence dès cette année. En un an, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer plein de choses. Alors, bien sûr, il peut se passer beaucoup de succès avec le PSG, gagner la Ligue des Champions, avec un trio incroyable, Messi, Neymar, Mbappé. Mais c'est pas ça le plus important, c'est qu'en un an, Mbappé, il peut se blesser gravement avec le PSG, les ligaments, etc. Et à ce moment-là, un transfert ne serait peut-être pas d'actualité l'été prochain. Là, quand tu achètes Mbappé cette année, tu es sûr, voilà, il est à toi, tu es le propriétaire du joueur pendant au moins une décennie. Il a que 22 ans, vu son hygiène, vu son sérieux, tu peux être sûr qu'il va être au top pendant 10 ans.
c'est le futur Ballon d'Or avec Haaland, et donc le Real veut s'assurer sa présence dès cet été. On parle d'une offre, comme je disais en début de vidéo, qui peut monter jusqu'à 180 millions d'euros. Les caisses du Real sont pleines, on parle même d'un mercato 2022 qui va être gigantesque, parce que le Real, je vous le répète, a vendu depuis 2018 pour quasiment 500 millions d'euros. Aucune année à perte malgré le Covid, donc les caisses sont pleines. Donc le Real peut se permettre, Javier Tebas, je vous avais déjà mis le screen, a confirmé cela, le président de la Liga, que le Real peut se permettre un énorme transfert dès cet été. En plus de ça, le Real s'achèterait une marque, Mbappé c'est mondialement connu, je pense que tu pourrais facilement rentabiliser ce transfert au moins sur 2-3 ans. Et alors les gens qui disent que c'est énorme pour une année de contrat, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que c'est pas cher d'acheter un Jovic pour 60 millions d'euros alors qu'il t'a absolument rien apporté, plutôt que d'acheter un Mbappé 180 dont tu sais qu'il va t'apporter et te changer ton secteur offensif pendant les 10 prochaines années? Donc oui c'est cher, à l'échelle du football c'est peut-être un peu moins cher, mais surtout ce qui est cher dans le football c'est les joueurs que tu payes 30-40 millions d'euros mais qui t'apportent rien. Ronaldo par exemple, à l'époque il avait coûté 100 millions d'euros avec le Real. Vous avez vu ce qu'il a rapporté, meilleur buteur du club, 4 Ligues des Champions, ce n'est pas cher finalement, lorsqu'on pèse le pour et le contre. Un joueur qui est cher, c'est un joueur type Jovic. Un joueur que tu as payé 60 millions, mais qui t'a absolument rien fait avec le club. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'offre du Real, qui ne devrait pas tarder. Florentino Pérez aurait déjà rencontré un émir du Qatar. Donc voilà, ça va se faire, je pense, à moins d'un énième rebondissement. En tout cas, Mbappé, Messi ou pas, veut partir. J'en étais sûr, il ne veut pas être la troisième roue du carrosse, ou je ne sais pas ce que c'est l'expression. Il ne veut pas être derrière Neymar et derrière Messi. Il veut être le leader du projet. Il veut jouer au Real, qui est le club de ses rêves. Ça fait je ne sais combien d'années maintenant qu'il est en Ligue 1. Il a fait le tour et c'est normal que le PSG le libère. Sauf si vraiment ils veulent prendre le risque de le perdre dans 4 mois gratuitement. Puisque dès janvier, Mbappé pourra dire oui au Real Madrid. Je pense que ça y est, c'est enfin rentré dans la tête des dirigeants parisiens. Ils ont enfin accepté l'idée de perdre Mbappé. Et ça, c'est un énorme pas en avant pour la suite de cette série. Et la dernière info de cette vidéo, c'est une petite parenthèse, on va dire. C'est la prolongation de contrat de Valverde. Et c'est très important, puisque c'est maintenant le joueur lié au Real Madrid qui va le plus loin dans le temps. 2027, clause de départ 1 milliard d'euros, donc autant vous dire que personne pourra l'acheter avec sa clause. C'est un joueur box-to-box qui ne rechigne pas sur ses efforts. Bref, c'est un joueur que le Real a besoin dans son milieu de terrain. Il apporte beaucoup de verticalité, il accélère le jeu, il est puissant, il tente de frapper de loin. Bref, c'est un profil qui manquait, je trouve, au Real. Donc très content qu'il ait prolongé l'aventure avec le Real. C'était en pourparlers depuis quelques mois, donc ça y est, c'est désormais officiel. Donc Casemiro, Valverde, ça risque d'être deux des trois milieux de terrain titulaires pour les prochaines années du Real. Et pour compléter ce duo, étant donné que Modric va terminer sa carrière au Real d'ici la fin de l'année, je pense, que Kroos maintenant est régulièrement blessé, il faudra un joueur technique à côté d'eux, car ça reste quand même deux profils assez rustres, sans pour autant les dénigrer. Il faut quand même un joueur technique à côté, un peu comme Isco, comme on a vu samedi. Mais est-ce que Isco est capable de tenir la cadence? Je n'en suis pas sûr. Tu peux pourquoi pas faire monter un Alaba. Bref, il faut quand même un profil technique à côté de ces deux-là, parce que Casemiro et Valverde seront le futur milieu du Real Madrid, soyez-en sûrs. Donc voilà les amis pour cette vidéo actu Real. D'excellentes nouvelles, hein, que ce soit la prolongation de contrat de Valverde ou le fait que le PSG ouvre enfin la porte à un départ d'Mbappé. Toutes les infos sont bonnes en ce moment, bon, mis à part le résultat de dimanche, qui est un peu décevant. Mais en tout cas, voilà, ce début de saison laisse entrevoir beaucoup d'espoir pour le futur du Real. Donc voilà, donnez-moi votre avis, les amis, sur le dossier Mbappé, sur le dossier Valverde. Est-ce que désormais, parce que j'ai été taillé dans les commentaires, que j'étais dans le déni avec Mbappé qui ne signerait pas au PSG, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé une vidéo avec tous les screens des gars qui m'ont un peu taillé concernant le PSG Mbappé. Vous serez affiché lorsque ce dernier signera au Real. Vous inquiétez pas, je vais pas vous louper les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite. Il y a une vidéo qui va bientôt sortir sur les surprises, enfin les joueurs surprises du Real pour cette année 2021-2022 qui devrait sortir normalement en fin de semaine. Merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao.